Chers amis, bonjour ou bonsoir à tous. Cette vidéo du conseil de lecture numéro 4 en cette fin novembre, avec pour commencer une bonne nouvelle, c'est notre réouverture à partir de ce samedi 28 novembre, dont nous serons ouverts à nos horaires habituels, du lundi au samedi compris, de 10h à 20h, et même certains dimanches, notamment le dimanche de la Saint-Nicolas, mais aussi certains dimanches jusqu'à au moins la fin de l'année. Pour cette ouverture, eh bien, ça a une conséquence un peu négative, si on puisse s'exprimer ainsi, c'est que les frais de port à 1 centime se terminent le 1er décembre inclus. Donc pour bénéficier de cet avantage, pour ceux qui habitent loin, je vous conseille de faire vos achats avant le 1er décembre pour bénéficier des frais de port. Ensuite, ce sera terminé, au moins jusqu'au prochain confinement, puisque la troisième vague, comme vous le savez sans doute, est déjà prévue pour mi-janvier. Donc pour ce conseil de lecture, je voulais absolument vous conseiller ce livre que j'ai presque terminé, il me reste un peu moins de 100 pages, mais qui a été pour moi une très 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 bonne lecture. C'est le livre de Douglas Murray, La Grande Déraison, qui est sous-titré Race, genre et identité. Et je vous invite à le lire. Je pense que même si vous n'apprendrez finalement pas grand-chose dans le livre, je trouve que c'est une photographie parfaite de la modernité actuelle, de cette année 2020, de cette fin de décennie, parce que Douglas Murray, de manière calme, posée, réfléchie, à l'anglo-saxonne en réalité, des faits, des faits et des faits, nous dresse en fait le portrait de notre monde actuel à travers plusieurs thèmes. La première grande partie, ça s'appelle Gay, donc sur l'homosexualité, où il explique comment le thème de l'homosexualité est devenu quasiment une espèce de nouvelle religion. Je développe pas trop parce qu'il faut vraiment lire. Douglas Murray exprime rarement son opinion en fait dans ce livre. Il nous donne des faits et il y a un énorme puzzle de la modernité devant lui et il met les différentes parties du puzzle. Et à la fin du livre, vous avez quasiment voilà la photographie parfaite de notre époque. Et non seulement ça nous intéresse nous en tant que conservateurs, mais c'est le livre à mon avis à offrir à quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez qui n'est pas d'accord avec vous sur certains sujets, ça peut être une excellente porte d'entrée vers ensuite d'autres biais, d'autres sujets. Donc la première partie sont sur les gays, il fait un entracte sur les réseaux sociaux, où il montre par des faits que j'ignorais, parce que le monde anglo-saxon est bien plus en avance que nous sur sur toute cette nouvelle dictature en réalité, qui est sous couvert de ce grand progrès religieux avec un grand P. Nous annonce, nous amène à la dictature, mais pour notre bien. Donc, il fait un petit entracte avec les réseaux sociaux, donc les nouvelles technologies. Ensuite, il nous parle des femmes. Et moi, je viens de terminer la partie sur la race, plus la race a été un sujet interdit et plus on en a parlé. En fait, maintenant que la race n'existe pas, bah, c'est le sujet à la mode, c'est-à-dire que il nous explique bien, en fait, il nous explique pas, il nous le montre, c'est ça qui est intéressant. Il nous montre que tous ces sujets, les différences de sexe n'existent plus, les différences raciales n'existent plus, mais elles n'existent tellement plus qu'on n'en a jamais autant parlé actuellement, et que il suffit aujourd'hui qu'un homme blanc de plus de 50 ans s'exprime pour que son avis soit suspect. Et il explique comment c'est arrivé, en fait, comment tout ce milieu des mondanités anglo-saxonnes, qui ont des vies particulières et qui ne sont pas des vies qui peuvent être vécues par le commun des mortels. Comment ces gens-là ont imposé de nouvelles idées? Et notamment, il montre bien dans son chapitre sur la race, mais aussi sur la femme. Il suffit qu'une femme noire soit considérée forcément comme une victime, même quand elle agresse les gens. Il y a des exemples hallucinants dans des universités américaines, où le simple fait que le professeur soit un homme blanc de plus de 50 ans a forcément tort face à une horde de jeunes, souvent femmes, ou alors les hommes sont homosexuels. Et donc ça fait partie soi-disant des minorités victimes. Et même quand il se fait agresser physiquement par ces gens, c'est quand même lui le fautif, c'est quand même lui l'agresseur. Il doit démissionner ensuite de son poste. Donc il nous décrit des choses totalement hallucinantes. Et là, moi, j'en suis dans la dernière partie sur les transsexuels, qui est aussi. Alors parfois on rit. Moi, j'ai aussi beaucoup ri dans ce livre parce que c'est tellement absurde parfois qu'on est obligé de jeter un rire, mais c'est un rire jaune, quoi. Et voilà, à travers ces trois ou quatre thèmes,
Voilà, encore une fois, je répète, c'est la photographie de notre époque, avec tous ces problèmes en fait, et toutes ces contradictions, et tous ces mensonges. Il y a beaucoup de gens qui se perdent en fait dans tous ces combats. Par exemple, dans le sujet trans, il explique comment des jeunes pré-ados se posent des questions sur leur sexualité. Et tout de suite, il y a un psychologue qui va leur dire, mais en fait, si tu te poses des problèmes sur ta, enfin, des questions sur ta sexualité, c'est peut-être parce que t'es pas un homme. Peut-être parce que t'es pas une femme. Et va s'en suivre des processus extrêmement dangereux pour l'identité de cette personne-là, qui va le regretter 10 ou 15 ans après. Et donc on a les premiers regrets aujourd'hui de tous ces gens qui notamment ont changé de sexe, non pas parce qu'il y avait une erreur biologique, ce qui peut exister, il l'explique bien dans le livre, mais parce qu'on lui a retourné le cerveau par idéologie. Et c'est bien en fait de changer de sexe, et c'est bien aujourd'hui de détruire tout ce qui est traditionnel et tout ce qui vient de la société patriarcale qui est à détruire dans le monde moderne. Donc je vous en dis pas plus, j'ai déjà été trop long, mais c'est le livre actuel à lire, La Grande Déraison de Douglas Murray. Il faut que je pense à vous dire les pages, parce que vous me l'avez déjà reproché. 450 pages pour 23 euros. Ensuite, pour le deuxième conseil de lecture, une arrivée du jour ou de hier, je crois, sur la réédition du Jean Mabir sur Ungern, le dieu de la guerre, avec des illustrations de Jacques Terpan. Superbe édition de nos amis de Lohengrin. Je vous conseille aussi également pour un cadeau, ça peut être assez intéressant. Et comme je n'ai pas encore lu le roman, je vous renvoie à une vidéo que je mettrai en description. Une émission de chez nos camarades de Radio Lorraine Enragée, que je salue notamment FX, qui a fait une émission spéciale sur ce roman. Et on en a parlé encore tout à l'heure. Et donc je vous livre son conseil aussi à lui. Lisez ce livre. Et c'est aussi un très bel objet, donc ça peut être l'occasion d'un très beau cadeau. Je vais quand même les montrer, même si Jean-Paul ne sera pas content. Je ferai un zoom, j'essaierai à ce que ce soit plus clair. Mais il y a des dessins magnifiques de Monsieur Terpan qui jalonnent le roman. Et ensuite, je voulais vous proposer une double lecture avec le tout dernier livre de Jean-Yves Le Gallou sur un sujet important et un sujet grave. L'invasion de l'Europe, sous-titré Les chiffres du grand remplacement. Donc ça peut être un livre un peu didactique sur voilà, les véritables chiffres de l'immigration, quels sont vraiment les chiffres qui arrivent, ceux qui repartent, et ce qui repartent, et ce qui repartent pas, qui sont les immigrés qui arrivent, etc. Les lois, etc. Et donc c'est un livre militant de Jean-Yves Le Gallou que vous connaissez, donc vous savez que c'est forcément extrêmement sourcé chez Via Romana. C'est un livre qui fait 200 pages pour 20 euros et je vous conseille de le doubler avec La Déferlante de Jean-Philippe Lévêque. Je vous renvoie à sa vidéo chez nos amis de TV Liberté, mais il explique surtout les enjeux des 30 prochaines années. C'est-à-dire si on ne fait rien. Eh bien, selon ces deux livres, nous serons grands remplacés, comme on dit aujourd'hui, par d'autres peuples qui ne sont pas des peuples européens, qui sont des peuples africains en grande majorité, et de religion musulmane. Donc, je vous conseille de lire les deux en même temps, et vous aurez une vision claire de l'immigration subie non pas que seulement en France, mais subie en Europe, et même, on peut dire, dans l'Occident. Et je ne vous ai pas donné les pages de la déferlante, 300 pages pour 24 euros chez nos amis de Culture et Racine. Et l'avant-dernière proposition que j'avais à vous faire, c'est le superbe roman graphique chez Grasset du livre de George Orwell 1984, qui du coup va vous donner les clés de compréhension du monde qu'on vient de vous décrire avant, à savoir le changement de paradigme idéologique avec le Murray, mais aussi le changement de peuple avec tout ce qui est invasion et la déferlante. Et là, Grasset a fait un très très beau travail de transcription graphique du célèbre roman de George Orwell, 1984. Donc c'est aussi une idée de cadeau, à mon avis, assez incontournable. Pour la modique somme de 22 euros, vous avez 230 pages de dessin avec au milieu également du texte sur une quinzaine de pages.
Donc vraiment très belle idée de Grasset d'avoir mis en roman graphique le chef-d'œuvre de George Orwell. Donc je vous conseille fortement. Je vais vous proposer le livre de Contre-culture qui a réédité l'Odyssée et l'Iliade également. Donc nous proposons les deux chez nous. Mais là je voulais vous proposer l'Odyssée parce que finalement le peuple européen revit une certaine forme d'Odyssée et peut-être qu'on peut espérer un renouveau un jour ou l'autre. Donc belle édition chez Contre-culture avec des dessins qui accompagneront la lecture du grand Odyssée d'Homère. Donc il y a 380 pages avec également à l'intérieur, vous allez voir des cartes pour 29 euros, sachant que dans chaque exemplaire il y a cette petite fiche des dieux et divinités. Vous avez une explication sur une ligne, sur tous les personnages de la mythologie que vous allez rencontrer. Recto et verso. Donc pour 29 euros. Voilà les amis, c'était le conseil de lecture numéro 4. On vous donne rendez-vous dans la vraie vie, puisque nous pouvons réouvrir à partir de demain. Et également sur Internet, vous n'hésitez pas à nous dire des conseils sur les livres à présenter. Et également, nous allons lancer une nouvelle série de vidéos tous les 2 ou 3 mois avec des hors-séries sur des conseils de lecture sur un thème unique. Donc donnez vos idées de thème unique en dessous. Et Kevin S m'a demandé de vous dire également de mettre des pouces bleus et d'appuyer sur une certaine cloche. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais faites-le. Dans tous les cas, rendez-vous la semaine prochaine en vidéo pour les conseils de lecture numéro 5. Et je vous dis à la prochaine. C'était encore pire.